T'es mieux d'avoir un micro parce que sans ça ton. T'es mieux d'avoir une caisse sans ça ton. Ton son va embarquer dans le micro, ça va faire un loop infernal. Tu vas aller m'écouter? Ah oui, il est où l'iPad? Bisous! Mouais! Tu m'écriras voir si ça marche. Si madame n'a pas le plus de seul. Ok. Tu l'as enlevé la madame? Non, ça gossait du mal. Pour vrai? Ouais, les gens, ça gosse vraiment, vous êtes peut-être la bonne femme. Bonjour, bonjour les copinons! Mais c'est pas vite, c'est pas vite, c'est pas vite. Il faut protéger la pièce, renforcer ce local. Position de l'otage repérée, assaut imminent. Ça va pas mal. De brouillère. Allô, Milko? Je suis pas très bonne à ce soir. J'ai déjà vu mieux. Tu vois? On va essayer d'y trouver ces salopards. Oh. Échec de la mission. Je pense qu'il n'y a pas juste moi qui est bobon à soir. Oui, ça va bien, toi? Il faut récupérer l'otage. Confirmation, otage localisé. Je suis même pas à bonne place. Bordel de merde. Les copains, où est l'otage?
Vas-y, shot la lettre. Plus ah. 5 secondes. Zut. Visuel sur l'otage. Mission OK. Bon, il y a des Mongols qui capotent là. Ah, il m'a eu. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis fait shotter par une hostie de merde de mon équipe. C'est vraiment cool. Recherche d'appareils électroniques. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai travaillé avec 70 toxicomanes qui m'ont tiré tout mon jus. Je sais, c'est un de mes chums qui m'a gonné. C'est un salopard. Ennemi repéré. Mais vous éloignez pas. Pis ça a l'air d'être deux amis. J'ai embarqué dans une game d'amis parce que c'est tout des Edgy Tiller, Edgy Caleb. Derrière moi, ça va aller. Plus qu'un allié. Je pense que je vais report. Boing. Ça va? Oh. Nous avons été éliminés. Un bobo. Ça valait la peine, crise de connard. Si je serais meilleur à envoyer en anglais, je les aurais envoyés chier. Mais Chouchou, il est pas là pour me dire quoi écrire. Le match a commencé. Oh, c'est ma map préférée. Savoir quoi, comment. Ben oui. Ils ont des problèmes d'ado. Voilà, chouchou. Ça se tire à coups de gun sa gueule. Toutes les sécuriser ados font la zone ça. Et protéger les bombes. Demande à Milko. Excuse-moi. Ah, j'ai plus de brouilleur. Bordel. 5, 4. Vous devez empêcher Hopford de désamorcer vos bombes. Mais en fait, dans la vie, Milko, tu vas te rendre compte que je suis pas très méchant. Ça, c'est la vie. Même s'ils me font chier. C'est trop calme. Bonne chance, petit gars. Bonne chance, petit gars. Ça où les copains?
Ah, il m'a eu. Je suis trop dans la lune. Une gentille personne, moi, chouchou. Oh, deux copains. Deux copains. Je vous vois. Je vous vois plus. Ça où les copains? Copains? Ah, il s'est fait blower la gueule. Oh. Les alliés ont été éliminés. Échec de la mission. Ouais, mais juste dans les jeux, là, dans la vraie vie, je tuerais pas des vrais gens. Je me demande bien, il se prend pour qui, lui, sur Twitch, là? Il se prend pour un autre, il s'est mis le même nom que moi. Je comprends pas. Servez-vous du drone pour localiser une bombe. Oui. Oh, drette dessus. Là, t'es où? Laissez faire les boys, je les ai trouvés. Oui! Let's go! Oh, ils l'ont déjà tiré. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Calice, ça va, c'est ça? Chouchou, j'ai peur. Je pensais que c'était un de mes chums. J'étais sûre que c'était un de mes chums. Je suis vraiment une merde. Salut, ça va? Non! Oh, t'as pété mon drone! Thank you.
Il reste 22 secondes, man. C'est quoi tu fais? Il reste 15 secondes. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. Oh yeah! Hopford neutralisé. Mission réussie. Wow, 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 calme-toi, man. On gère. Barbelé en place. Je déroule le tapis rouge. Emplacement de bombe découvert. Agissez en fonction. Oh, j'ai été repéré. Encore 10 secondes. Plus que 5 secondes. Fortifié. Hopford a localisé une bombe. Attendez-vous à une action ennemie. Il me reste une trappe. J'attends les intrus. Ah oui, descend, esti. Crise de merde. Ah, il était où? Ah, calice. Hopford éliminé. Mission réussie. Crise d'enfant de pute.
D'après moi, Miko, Chouchou, il te répondra pas. Il doit être en train de se laver les pieds qui puent. Ouais, ben, quand t'es première, quatrième round, avec 2 kills, 1 assist, ça va pas bien. Regarde, Chouchou, Ibana, elle avait pas le même truc. C'est bizarre. Servez-vous du drone pour localiser une bombe. Votre drone a trouvé une bombe. Oh, coucou la bombe. Ça va? Tiens. Caché dans le juice box. Insertion dans 5 secondes. Désamorceur nice. Entre nos mains. Rejoignez la bombe et désarmez-la. Attention aux autres. Ouais, mais cool, la baisse, mais avec 2 kills. C'est une équipe de marde. Ah. Ouais, on sont partout, man. Je comprends pas. Personne à B. Désarmement de bombes entamé. Protégez le désamorceur. Seul agent allié en vie. Hello. Bien d'accord. Yeah. Hop fort éliminé. Mission accomplie pour nous. On va avoir une pochette. Ah, non. Meilleure chance de la prochaine. Oh, plus 10% de XP. Ouais, j'ai déjà vu des soirées meilleures que ça. Ouais. Oh là là là. Toi, Milko, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Vous devez localiser le conteneur radioactif. Oui. Oh oh. Bien joué.
Le conteneur radioactif a été localisé. Ça a monté le son de mon casque. Ça marche pas fou. T'avais-tu des cours intéressants? Moi aussi, je vais encore à l'école, Milko. T'es pas seule au monde. Moi aussi. Ah, fuck. Voyons! Bordel! Insertion dans 5 secondes. Oh non! Conteneur radioactif localisé. Rendez-vous sur place. J'ai fait pirater mon drone. J'arrive pas. C'est vrai qu'au secondaire, c'est rare qu'on ait des cours qui sont intéressants. J'aurais dû y penser avant de te poser la question. Éloignez-vous de la zone d'effet! J'ai été repéré. Enfant de pute de merde. Excusez-moi, je vous ai frappé. Activité ennemie repérée. Neutralisez la menace. Arrêtez. Conteneur. Comprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Arrêtez de sécuriser la pièce. Oh yeah. Oh. Ah boum boum. Vite les boys, il reste 30 secondes. Nice job. On va prendre Château, ça fait longtemps. Barricader la salle. Il faut protéger le conteneur radioactif. Ah,
regarde un peu là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Un peu plus, tu me shotais, buddy boy. Oh! Non, faut pas que je le gagne, celle-là. As-tu des copains? Copains? Non. Pas de copains. Faut que j'apprenne à changer de petite gun de merde. Ah, oh, mais je suis vraiment le déchet de la société à soi. C'est dans l'ordinaire. Ordinaire, pas mal. T'es une merde? Mais pourquoi t'es une merde? Je suis vraiment pas bonne à soi. Il y a toi, Milko, puis il y a une autre personne qui regarde depuis tantôt. Une personne. Bonjour, troisième personne. Qui êtes-vous? Une troisième personne sur YouTube. Ah ouais? Regarde pas dans Twitch. Mes copains. Comment on dit ça? Fais un signe de vie! Localiser le conteneur radio. Comme deux fois c'était là! Comme deux fois c'était là! Mon copain! Non? Pas personne qui est aux chiottes! Bon, maintenant, où sont les copains? On va aller voir en haut! Oui! Oh! Fuck, il m'a eu! Ce salopère. Hop. Stairs. 5 secondes avant insertion. Parfait. Conteneur radioactif localisé. Rejoignez l'emplacement du conteneur radioactif. J'ai vraiment, je n'arrache vraiment. Non, mais pour vrai, j'ai de la misère à chercher à trouver mes pitons. Bon, j'ai été repéré. Oh, je suis plus repéré. Vas-y, Fuse. T'es fait shotter, je comprends pas. J'ai déployé mes tartrates.
Eh merde, t'as tapé des trucs, on a fait. Je me suis fait blower la gueule. Ok, il était où? Je t'aboute, hostie. Hey. Ouais. Tu checkeras comme un alibi m'a shoté. C'est n'importe quoi. Je l'ai vu. Oh, on a un FK. FK. Out. Ça. Oh, il est mort. Il était. Ils vont peut-être sortir. Et tu vas le sauver son chum. Oxford a éliminé tous les alliés. On est des merdes. C'est pas ta best game? C'est pas ma best soirée en fait. Non. Tu prends le relais après parce que tu vas tout perdre tes followers. Le gars, l'inconnu est parti, il a même pas voulu. Il a même pas voulu. Il s'est dit, ben c'est donc une merde cette fille. C'est une grenage. Mais je vais prendre Kaïd. Miko, t'es-tu toujours vivant? Tu as jamais répondu si c'était mieux, si c'était correct une Xbox PS avec le connecteur pour Street Fighter? Barricader la salle. Il faut protéger. PS avec le connecteur. Bon, quelle idée. On une manette d'Xbox avec le connecteur pour PC. Ouais, j'imagine, c'est ça. C'est-tu une manette d'Xbox avec le connecteur pour PC, Milko? Le drone d'Oxford a localisé le conteneur radioactif. On peut dire. Ouais. C'est parfait, ça qui dit le chouchounet. Il a écrit 10 secondes. Mais pourquoi? Oh non, c'est pas là, je vais la mettre. Ici, électrogriffe. Ici. Puis ici. Puis. Ici. Puis ici. Avec un. Oh non! Oh. Hopfort sécurise le conteneur radioactif. Pour connecter, sinon ton perso fera rien. Oh, pourquoi? Hopfort a sécurisé le conteneur. Échec de la mission. Attends ton chouchou. Bye les copinos! C'est-à-dire, bye Milko et bye Chouchou. Hein? C'est normal. J'avais quasiment pas conseillé de. C'est à cause que j'ai pas montré mes boules. Ok.
dit là 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 là, c'est quel mon écart. T'as pas quoi? Non, pas grave, on est dans le noir. On est dans le noir? Dans le noir total. Bon, on fait une good petite game de ça là. Non, elle dit ouais, ben. Et quoi, elle dit ouais, bye chouchoune. Ah, il a dit qu'elle va te péter la gueule. Surtout que t'as pas mis tes boules dans le titre. Ah, c'est vrai, t'aurais dû mettre tes boules. Tu sais, genre des parenthèses. Tu sais, mettons, rouvre la parenthèse, point, ferme la parenthèse. On fait ça deux fois, ça fait des totons. On fera ça pour une prochaine fois, je pense. Ouais, 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 bonne idée. J'aime ta vision. J'aime ça, le Milko, le madame, que tu penses. T'es un visionnaire. T'as tout le temps un step en avant nous autres. J'aime ça. Mais le coup, il a l'affaire. Bon, c'est que je suis là. C'est quoi cette map-là? Le consulat? Whatever. Ah, puis go fuck it, est-ce que tu smoke? Comment ça, smoke avec le 12? On dirait bien que quelqu'un qui a pris smoke avant fumait de la drogue. Regarde, tu fais comme ça. Mais le coup, il l'a fait, là. On met ça de même. On fait ça, là. Après ça, t'écris ton nom. Ouais, monsieur. Ça là. Ah, regarde, c'est encore even better. Regarde, check. Ça, c'est comme des petites mini puces là. Ça, c'est comme des big boobs. Sécurisez les bombes. Ouais, Milko. Visionnaire. J'aime ça. Pertinent. Oups, bon, voyons, si j'échappe mon piton, je suis en train de virer comme Michael J. Fox, moi là, avec le Parkinson. Laisse-moi, on fait des points en barricade dans tout ce que parle de gueule. Salut, ça va? Bon. Empêcher Hopford de désamorcer. Ok. Comment? Un peu comme toi. Il faut que ça remonte quand il est là. Oh, il y a un lion. On est ici à trois barres, là. Ouais. Okay. Non, c'est pas Kim Kardashian. voyons, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je pense qu'on va se faire un déguisement d'Halloween. À l'Halloween, on va se déguiser en streamers avec... je vais mettre une brassière puis mettre des cheveux mauves. Je pense m'acheter une perruque de cheveux mauves. Puis je vais m'acheter Just Dance juste pour l'Halloween. Puis je vais danser Just Dance avec la bédaine à l'air qui saute partout.
Penses-tu? Dernier agent, Hopford. Tu sembles pas d'accord. Tu sembles être réticente à l'idée. Hopford éliminé. Mission réussie. Bon, ben fuck it, hein. Oh, il a été mordu. Ok, je pense que c'était le... Je pensais que c'était un Nitro qui l'avait blowé. Là. Bien, on essaie de faire mieux que l'autre round d'avant, qu'est-ce que t'en penses? Cette place-là, je pense que... Bon. Fuse, toujours une valeur sûre. Foum, 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 foum. C'est ça qui fait Fuse. Il faut que j'imite tout le temps les bonhommes. Faut que j'imite les bonhommes ce qu'ils font. C'est genre. Il faut localiser une bombe. Je suis obligé de faire ça, ça. Je bête qu'ils sont dans la cave. Votre drone a trouvé une bombe. Ouais. Attention, votre drone a localisé une bombe. Vous m'avez manqué, bande de nuls. Dix secondes avant insertion. Ah, regarde, t'as les level up des boobs. Bien. Ça commence avec mini puce. Après ça, comme genre les titties. Après ça, des tits. Après ça, level 4. Regarde, tu vois, c'est les accolades sont pas pareilles là. Ça commence à être, ça commence à prendre forme là. Puis master tits, t'as les t'as les gros nasses. Je peux pas croire que tu viens de faire ça, Bilko, sérieux. Don't believe it. Mais c'est accurate. C'est comme ça que ça se passe, c'est la nature. Je peux pas dénier que c'est la nature. We can't deny. Bon, y'a-tu un salaud cette quelque part? Attends une minute, t'es bien ça. Camera. Y'a sûrement un petit copain qui va se pointer le mieux au site. Détonation. Comme je les connais, ils ont pas barricadé la salle de bain, ces connards. Et voilà. Good luck, motherfuckers. Charge à solution. Oh. Il est en feu. Charge à sous-munition. Attends, n'est pas vrai. Et voilà. Enjoy. Bataouf. Ben, fait de changer de place, hein? Ah! Level God, ça c'est... C'est ça. C'est les boobies dans... Dans... Comment ça s'appelle dans le film? Avec Arnold Schwarzenegger, là. Il est sur Mars. Qui ça, la bébé doll, là? Ah ouais. Total Recall, c'est ça.
Il y a une fille avec trois seins dans ça. C'est la fille de Total Recall. Fois deux. Deux filles de Total Recall mutantes, une à côté de l'autre, qui prennent un selfie. Bon, ok. Ça, je vais aller patcher ça. Non, mais ça, il y a une crowd pour ça. Il y a une crowd pour les filles qui se mettent en bébé doll puis qui jouent à Just Dance. Moi, je comprends pas l'engouement. Personnellement, je vois pas le but, là. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu regarderais une fille qui est genre à moitié tout nu, là? Oh, je sais. Plus que 10 secondes. Tapis rouge en place. Mais tu sais, faut craindre qu'il y ait du monde. 5 secondes. Hop, on va trouver une bombe. Tenez-vous prêts. Pourquoi je peux me cacher de là? Non, je pense pas, hein. excuse, Miko, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi le truc voilà, que j'ai dit? C'est à moi le truc que t'as dit. C'est à moi le truc que t'as dit. Oh, Total Recall? Oui. Ben, à tout le monde, à vrai dire, là. Je suis comme. Je parle à tout le monde. Tout le monde, c'est mes amis. T'as mis que tout le monde, mais finalement. J'aime que tout le monde s'aime. Hein? Juste Milko qui est ton fidèle ami. Ouais. Milko est fidèle. C'est correct ça. Ça en prend juste 99 autres comme lui, là. Puis Ouh. Je recharge. Y'a-t-il un copain qui va arriver par en bas? J'ai comme le drôle feeling que oui. Y a-t-il une bombe en bas? Si à moi les filles. Ah si à moi ça. Oh. Y a trop mon esti. Attends, on va bien s'amuser. J'ai les deux fesses ensemble. Quoi? On a les deux fesses collées ensemble. Fidèle au poste. Fidèle au poste, prêt au combat. Les boys, il y avait pour ça. Pour faire les boys. Donc c'était mon imitation d'Éric Lapointe, ma foi parfaite. Achille? Non. C'était à s'y méprendre. Mais c'était sûr qu'il te la pointe? Non, non, c'est le dude sur Twitch. Ah oui, ok. Il a dit quelque chose de ce gars-là, c'est pareil. Mais je sais, hein? C'est vraiment ton père, c'est qu'il l'a. Dino. Mais non. Une bombe a été localisée par Opfor. L'ennemi est sur le point de scanner la zone. Oh oh. L'étau se resserre. Hein? L'étau se resserre. Quoi? J'ai comme un drôle de feeling qu'il s'en viendrait de moi. Ils s'en viennent à B. Hein? Ils s'en viennent Lolo. Ben non. Ben non. Rrrr, paf, chat, we're dead. Les chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers, les boys. Le drone ennemi arrive pour scanner. Quoi? On est trop fiers, les boys, ok, excuse. Je vais plus là. Excuse. Il reste 15 secondes. Oh oh! 15 secondes! Oh, lui va s'uploader là. Ouh! Il reste 10 secondes. C'était ma mine! La... 5 secondes restantes. Situation critique. Des amorceurs de bombes déployés. Des amorceurs localisés. Protégez les bombes. Okay. Neutralisez-le. Le scan ennemi arrive, je lance le chrono. Non, je suis pas de seul. Plus qu'un op fort. Ah, vas-y. Ouais. C'est chill, c'est cool. Les amorceurs a été détruits. C'est chill. Mission réussie. Je sais pas, Milko, parce que moi, quand j'ai eu GeForce Now, c'est Nvidia qui m'a envoyé un beta key sur mon courriel. Probablement parce que j'avais acheté une carte 3D l'année d'avant, fait que
J'avais comme rempli le, pour la garantie, là. Fait qu'il avait gardé mon... il avait gardé mon email en note, là. Fait qu'il m'a envoyé un code. J'avais fait la demande pour avoir le code. J'avais fait la demande pour avoir le code? T'es sûr? Oui. Il me l'avait pas envoyé par courriel? Oui, mais t'avais fait la demande. Oh! T'es sûr? Oui. Ah, ok. Je sais pas. Probablement que les beta keys sont plus disponibles là qu'ils l'ont déjà été, là. Ben, ça doit... tu sais, ils font des tests pis tout, là, mais je présume que ça doit... Mais Google tout, va se prendre. Oh, ouais, je sais. Stevia, là. J'appelle ça Google Stevia. Mais, non, c'est pas Google Stevia. Stevia, c'est du sucre. Je le sais, Stevia, c'est du sucre. Tu me prends pour qui? Pour un nul. Hein, pour un nul, d'accord. Ah! Oh! Attention. Pourquoi je serais gay, là? Oui, douleur aux muscles. Pourquoi non? C'est parce que les enfants m'ont traité comme si j'étais une carpette tantôt en me sautant dessus. Je trouve ça bien drôle, eux autres en train de me décoller de la cage thoracique, c'est super. Hey Nathan, si... Ouh! Ouais, Lyon a sorti son gun. Oh, il l'a rangé tout de suite. Il l'a sorti, il l'a rangé, hein. Même pas le temps de prendre la poussière. N'est trop fiers les lions. On s'en ogonne, puis on les ressort tout de suite. Désamorceur entre nos mains. Le désamorceur n'est plus entre vos mains. Allez, come on, man, let's go. Il heal, Chris d'épée, shotlist d'un doc. Astique, t'es nul! Ça veut pas... Bah oui. Je partais pour dire c'est pas sûr là. Parce que hier j'ai fait un... J'ai fait un 4 kills là, mais lui... ouf. Il sort de le spot là. Tu sais pourquoi il y a juste pour rentrer par une autre place? Quand tu le sais qu'il t'a du monde là. Tu sais que ton camp... Oh non, hein, je vais rentrer par là, ça me tente. Bah oui. Arrête de bouger. Mais non, mais... Tu fais ça dans la vraie vie, là. Hey, caporal, va chier, je rentre par où est-ce que ça me tente. Ok, dude. Là, tu te fais tirer. Puis là, il s'est dit, ben, il m'a envoyé chier son caporal. Je rapatrie pas la dépouille. Fuck off. Et là, les corneilles viennent, puis il le bouffe. Au lieu de se faire pleurer avec les fusils dans les airs, puis les drapeaux américains sur le cercueil, comme dans les films. Oh, il a brisé sa trompe. Mets les troncs griffés en place. Hein? Ok. Il reste 5 secondes. Gentils qui vont passer par ici. What's it? Bombe localisée par Hopfort. A clown. Tiens, toi. Plein de barbelés, plein de marbre. Ok, good luck. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais en tout cas, c'est pas grave. Ouais, je comprends pas. Ouais, moi non plus, là. Ça a une gueule tête. Ok. Ah, mais il a mis plein d'électricité là. Ah, il y a du courant ça. Ah, mais fais un passage au bas là, là. Attends, aime-toi là. Attends, là, ça ici, ça là. Là, il met une batterie là, lui. Attends. Il y a une montagne. La griffe est activée. Ouais. Mais quoi, la plupart de ces jeux, c'est des jeux qui sont sur le PC. PC, tu stream autre. Je ne sais pas.
Ça dépend. Oh shit. What the fuck? Oh. PC, tu stream autre Rainbow Six Daylight Street Fight? Ça dépend. Des fois, je stream d'autres affaires, mais je te dirais que, tu sais, je veux des games que c'est. Tu sais, c'est quick là. C'est genre, tu joins un match, tu fais quelques games, tu lâches ça, pis tu sais, t'as eu ton fun. Moi, c'est plus ce genre de jeu là. Moi, j'ai été un joueur fini raid de World of Warcraft, pis on dirait que ça m'a brûlé avec les années de jouer à ça avec tout le grind, tu sais, les donjons, pis le gear, pis toute la patente. Là, on dirait qu'à long terme, là, je suis comme burn-out de ça. Donc, c'est plus des jeux, c'est que tu te login. T'as déjà tout le matériel que ça te prend, genre ton gun, c'est le gun que tout le monde a, t'sais, Dead by Daylight, les survivants, c'est la même affaire, c'est juste pas les mêmes perks, là, mais grosso modo, c'est pas dur à achiever, là, de ramasser les perks à Dead by Daylight, là, t'sais. C'est des petites games qui se font vite. Fait que si, mettons, il me reste comme 1 heure avant d'aller me coucher ou quoi que ce soit, t'sais, c'est du plaisir instantané. Là. Tandis que, mettons, je me vois mal à rejouer, mettons, une game comme, je sais pas, moi, World of Warcraft ou ben. Genre un MMO là. Un MMO, tu sais là, je sais que World of Warcraft Classic sort au mois d'août. Puis j'ai beaucoup joué à WoW Classic dans le temps quand c'était sorti là. Ben j'ai joué à WoW à côté jusqu'à. Ben jusqu'à Legion finalement. Il y a juste l'expat qui est sorti là, que j'ai pas joué là. Parce que tout le monde chialait après, puis ça me tentait de décrocher un peu là. Mais. C'est sûr qu'au mois d'août, là, ça va être WoW Classic que je vais streamer à côté. Là. Avec mes... J'ai des real life friends que j'ai réussi à rencontrer grâce à ça. Là. Fait que. Ben que j'ai. Si on s'entend, des real life friends. Je les ai vus une fois ou deux là, dans la vraie vie, là, mais on se parlait à côté à tous les jours. Là. C'était fourré. Des fois, on se faisait des WoW sessions de peut-être bien 12-14 heures en ligne. Là. C'était fourré. Fait que c'est sûr qu'on va rejouer à ça en gang, mais à part ça, là. Il y a peut-être bien des nouveaux jeux, tu sais, comme Witcher 3, j'ai jamais joué avec, il y a de l'air le fun. Tu sais, la fête faire la quête l'autre fois de la femme fantôme, là, c'était le fun, parce que je voyais qu'il y avait comme. C'était time-based, là, tu sais, genre, il fallait que tu reviennes le midi, là, pour pouvoir avoir la fantôme, puis il faut que tu te serves d'un skill, tu sais, ça te force à aller voir dans ton. Dans ton log, là, pas ton log, mais ton. Ton livre de. C'était le bestiaire là, pour savoir les trucs là, pour comment le battre là. C'est assez intéressant, c'est bien rare que je me sers de ça dans les jeux, mais celui-là t'as pas le choix, fait que... J'aimais ça, genre le fait d'avoir à utiliser ça pour battre l'avance là. Alors qu'est-ce que tu me veux toi? Calme-toi les nerfs là. Oh, ce qu'il y a de l'air en feu là. Faut raid. Comment dirais-je? Comme de la merde. Ouais, je sais. C'est où ce qu'ils sont? Oh, c'est sûr faut que t'achètes des jeux pour que toi t'aies du fun. C'est comme j'expliquais hier, GeForce Now, c'est le fun. Mais si tu t'attends à jouer toutes tes games lag free, tu vas être déçu là. Tu sais, ça arrive des fois que ça lag un peu là, puis surtout dans un jeu comme Rainbow Six, c'est qu'il faut que tu sais comme vraiment à tu sais vite sur le trigger pis tout ça, tu sais, il va falloir que tu apprennes à jouer en fonction du lag. Chose qui sera pas simple. Là. Oh fuck. Que c'est ça? Mais t'es où, Will? Oh, va chez le Yob. Ouais. Mais tu sais, si t'es pour jouer à un jeu, t'es mieux d'acheter un jeu qu'on peut jouer en équipe. Tu sais, Street Fighter, si t'es pas intéressé à monter les ranks,
ça donne rien, tu sais, mettons, si on passe 12 heures à jouer l'un contre l'autre, tu sais, on n'aura pas de fun parce que ça va tout le temps être les mêmes bonhommes, ça va tout le temps être la même affaire, tu sais. Le but de jouer à Street Fighter V, c'est justement de se pogner contre, mettons, le monde entier, on va dire, là. Fait que je te conseille pas vraiment ce jeu-là. Je te dirais plus, mettons, essaye-toi Rainbow Six ou Dead by Daylight, c'est sûr que, tu sais, Dead by Daylight, le lag peut pardonner un peu. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne game, tu sais, surtout qu'elle est à 10$ la plupart du temps, là. 8-10$, fait que, tu sais, déjà, là, tu te skinnerais pas pour acheter un jeu là-dessus, puis on pourrait l'essayer, puis ce serait le fun, là, tu sais, il y a pas... le lag pardonne plus que Rainbow Six, mettons, là. Mais si tu veux essayer Rainbow Six, regarde, tu l'as vu hier, là, quand je jouais, là. Tu sais, ça laguait, mais je te dirais là que c'est subtil comme lag à plein, là. C'est pas aussi direct qu'un PC, là, normal, là, mais... Ouais, R6 pis Daylight, là. Là, mon souhait, ces deux-là, là, pis on va être bon pour gamer ensemble. SF5, c'est parce que je prends ça trop au sérieux, pis je viens en tabarnak tout de suite. Que je me mets à me faire torcher, là... genre, je vais fou, là. Je peux pas croire à ça qu'il y ait du monde, genre, qui ont des skills pour gagner leur vie avec ça, qui s'en viennent comme troller des bronze, là. Moi, ça me dépasse des affaires de même, là. Je comprends pas comment que le monde peut perdre le temps à faire chier les autres, là. C'est comme leur hobby, là. Genre, mon hobby dans la vie, c'est d'empoisonner l'existence des autres, là. On appelle ça des narcissiques. Défaite complète, you suck. Oh boy, puis je suis ça qui a appelé. Gant, check, t'es meilleur que moi dans ce game-là. Viens fait un kill, moi. Get fucked. On devrait jouer ça? Get fucked, loser. Ah. Intéressant. Team Fortress 2, faudrait que je te fasse jouer à ça, mon chéri, Team Fortress 2. Tu trouverais ça drôle. Non, ouais, c'est quoi les skins? C'est assez cool, pareil, là. Regarde les deux pistons, le nombril. Avec la méga cicatrice dans le crâne, ok, c'est ça. Denied. Vraiment cool la skin. Là. Frankfurt, original. Ah, check ses batteries. Ses batteries avec des flammes. C'est bien cool. Check ça là. Ah, c'est bien nice. SU-13. Attends, je veux voir les skins. Boutique. Team Streamer QC 3 générations. Ah, excuse-moi, ça pareil. T'es-tu une génération en bas que moi, toi? Non. Une génération, c'est. Genre, je pourrais pas être ton père, là. Hein? Non, c'est plus que ça. En autre 15? C'est pas 18? C'est pas 18 ans entre les. C'est pas? En tout cas. Pack de monnaie, booster, pendentif, skin d'armes. Uniforme. Ah, c'est Pédodoc en spécial cette semaine. Uniforme. Pendentif, skin d'armes. Uniforme. Ouais, c'est ça. Elite, SU-13. Guérilla. Oh, il est cool lui tout.
C'est quoi ça? Panzer Stark? Oh, regarde Blitz. C'est ça, c'est ça sa skin. Elle est cool pareil, hein? T'as-tu vu Ibana, elle en avait Anna 2, hein? Anna 2? Oui, le gars, il avait la vieille photo d'Ibana, la vieille photo. Ah ouais? Chasseuse, t'as pas c'est quoi? Lui, c'est juste ses... en pédodoc. Lui, il a juste... Oh, un vieux gun à dard tranquillisant. Puis son... c'est comme tout des guns rouillés. C'est ça, des guns rouillés? Ouais, c'est comme des guns de la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment cool. Armée de choc, Fuse. Fuse et tout, il est cool. Il est comme tout... Citoyen modèle, c'est qui lui? Glaze, regarde ça. Oh wow, il est bien... Ah ok, il y a une espèce de viseur alternatif. IQ, t'as plus ça c'est quoi? Anoshkin. Ouais, elle c'est Ibana là. Avec son drapeau, son petit chose du Japon là. Son gun rouge et noir. C'est bombe dans sa ceinture en avant. Une espèce de... Comment t'appelles ça donc? Voyons, comment t'appelles ça donc, Colin? Les espèces de chinoises là qui servent du saké dans les bars là. Une geisha. Bon. Réunification. Elle, ça n'a pas rapport, ben non. Je catch pas ce saut là. Un saut de jogging du samedi matin en écoutant un bonhomme là. Je comprends pas. Hors du pilotage, Yager. Parce que check elle, là, t'as Ibana, là. Ouais. C'est la vieille photo? Ça? Oui. Non, check la vieille photo sur le téléphone. Ah, c'est-tu la vieille photo? Non, je suis pas oui. sûr. Oui, donc elle a la capuche. Ouais, mais c'est pas elle. Il y en a un autre, là. Mais la vieille Ibana, elle ressemble à celle-là, par exemple. Yager, Wimpel, Capcan. Le Capcan et tout, il a de l'air sick là. Escadron F. Mute. Division chanceuse. Hey boy. Aïe aïe, Pulse. Gendarmerie. Son espèce de casse spatiale. L Detachment. Sledge. Sledge là, genre, ça serait une des skins que j'achèterais ça. Avec son espèce de marteau aux boules, là. Il est vraiment de l'aérote. Opération Nimrod. Bureau Vintage. Maquis. Ils ont comme toutes des soutes. Des soutes de l'armée, genre de la Deuxième Guerre, par exemple. Pas mal toute la gang. Sauf. Lui, c'est encore pas pire. Escadron F, Wimpel. Ah, pilotage. Elle, je comprends pas, là. Genre, ça a l'air d'une soute de training, je sais pas trop, là. Elle, c'est une espèce de guerrière du Japon. Citoyen modèle. Mortel, citoyen mortel. Et pas, il est comme habillé en citadin, là. J'aurais pas imaginé la face de glace de même, non. Et la meilleure affaire qu'il y a dans ce kit-là, là, c'est les bear traps de même. Ils ont tellement de l'air plus mortels. Panzer Stark. Eh ben. Ouais, c'est encore R6, ouais. Monsieur 13. Bandit aussi, vraiment cool. Ils ont tout un petit quelque chose de plus. Hein. Les trappes. Ça, c'est quoi ça? Ah, le fuse, le vieux fuse. Une espèce de vieux fuse fait avec du métal puis une gear, là.
C'est quoi ça? Ah, c'est une espèce de gun. Comment tu appelles ça? Un spinner, c'est ça? Un gun de spinner. En tout cas. points, il en manque 15 000 pour pouvoir déborder un bonhomme. Il n'a pas d'unlocké encore. Ouais, c'est des skins qu'il faut que tu payes par exemple. T'as une portion de skin aussi que tu peux acheter. Tu peux acheter des points, c'est la monnaie là ici. Nous autres, on n'achète pas des skins, on garde nos points pour débarrer des bonhommes. Puis c'est 25 000 points pour débarrer un personnage. Mais là, comme c'est là, on les a toutes là. On a tous les agents là, de la game là. Et quand t'achètes le jeu, je pense que tu commences comme avec un. Ben, tu commences avec un recrue. Puis il faut que tu ramasses des points pour justement débarrer d'autres agents là. Mais c'est sûr, tu peux acheter des skins, mettons des uniformes. Ça, c'est les uniformes payants élite, là, parce qu'ils ont tous un petit côté spécial, là. Puis les autres, mettons, si tu veux acheter, genre un soupe de même, mettons, là, pour, mettons, instruction béton, là, pour Castle, ben c'est 480 R6 money. Ce qui équivaut à 4,80 mettons. Les autres, ils comptent, mettons, 100 R6 money, c'est une pièce, là. Ou 20 000 tokens. Lui, il est cool, c'est pour Buck, là. À lui, là. Rogue One. Mais c'est sûr que tu peux les gagner aussi avec les pochettes, là. Et à chaque fois que tu gagnes tout le temps un certain pourcentage de chances de gagner un item, là. Ben, genre, tu peux ramasser du stock cool avec les pochettes et tout. Là. Mais j'ai pas vu Ash, par exemple. Uniforme. Je pense que Ash, tu peux même pas débarrer sa skin. Vous faites pas sortir, quoi? Mais non, je l'ai. Je l'ai, la skin de Ash, moi. Légendaire. Tu sais où ce qu'elle dit un peu que son téléphone à la fin, là? Mais c'était cause que c'était un event, là. Ouais. C'est justement quand tu peux débarrer des. Tu peux débarrer quand tu fais des choses dans le jeu, tu peux débarrer des skins. Là. Je veux juste aller voir. C'est quoi mes dailies de Dead by Daylight? Je veux aller faire les dailies. Alors ça, je vais jumper sur d'autres choses. Bien. T'as essayé de piloter sous moi ou? Hein? Ouais, ça... Parce que tu grouilles. Non, c'est pas ça, c'est parce que je pensais que t'avais les pieds à côté sur la chaise. À raclanche pour faire de baisser le dossier. Les pieds là? Ok, ok. Oh non! Oh fuck, la saison a recommencé. Calice. J'ai perdu 4 ans, j'étais rendu au rang 10. Je suis rendu au rang 14. Fuck off. Bah, c'est pour reset, mettons, c'est pour pas que le monde y reste en 1 tout le temps. Là. Non. Libérer 3 survivants du crochet avec Claudette.
saboter l'équivalent de 2 crochets. Alright. Utiliser le pouvoir de la cloche. On prend une Claudette. On fait 2 délices en un tube, ben ça. Survivant. Hello, Claudette. Le but, c'est de libérer des survivors. Donc, on prend le pétard, vu qu'on a rien d'autre. Ah, t'as pas une... On prend le pétard, je sais. Ok, le bouquet de fleurs. Autre aux soins. Prémonition. Un skill pour les fif. On prend ça. Ça, c'est pour voir toutes mes chums. Ça, c'est pour me soigner plus vite. Empathie, c'est sûr que si je pogne ça, avec ça, avec ça, je vais les soigner vite, vite comme une balle. Mais on va faire encore mieux que ça. On fait-tu mieux que ça? On fait pas mieux que ça. Oh non, c'est bon. Okay. Let's fight the game. Damn, damn. Fait que là, faut que je... Tu m'abandonnes, toi? T'en vas où? Ok. Amico. Non. saboter. Oh non, t'as plus. Si je peux saboter, ben non, je vais prendre ça. Le but c'est de saboter un crochet, fait qu'on va s'organiser pour saboter un crochet, hein, qu'est-ce que t'en passe? Qu'en dis-tu? Non, c'est la fête à ma fille, aujourd'hui elle a eu 4 ans. 4 ans la bobinette. Ça pose vite. Et arriver à échapper au tueur durant une poursuite accorde des points de sang aux survivants. Et le ciel est bleu, les arbres sont verts, le soleil est jaune, l'asphalte est grise. Pas des affaires que tu sais déjà. Bon, moi le but c'est pas de faire un gen, c'est d'aller saboter des crotchets. Bonne fête. Pauvre petite. Elle a eu une fête chez sa mère dimanche. Puis là, elle a eu une fête à garderie aujourd'hui. Puis elle va avoir une fête chez nous en, à la fin mai parce que vu que j'ai juste une fin de semaine sur deux, ben je peux juste faire les fêtes dans ce temps-là. Hein, fait que en fin de semaine, on voulait pas la fêter puis c'était pas encore sa fête. Fait que là, on va attendre dans deux semaines. On va... Bon, j'ai saboté 2 crotchets. Il est où le killer? Ah, c'était salaud. Bon, j'ai une méchum là-bas. On va saboter un autre crochet, ça, t'as qu'à faire des points. Why not? On va toutes les péter, les crochets. Oh. On va décrocher mon ami. Il va peut-être avoir de la misère à trouver un crochet, ce salaud. Ah. C'est mieux que lui, j'ai pas décroché, hein. Bon. Ah, déjà. Mais non, c'est moi qu'il faut qu'il décroche, les amis. Pas vous autres. Tiens, il va se faire courir après, là. Il est fucked. J'ai envie qu'elle ait pété le crochet, puis des fois qu'il aurait le goût de venir le saboter, ça.
Le fuck up site. Et voilà. L'autre crochet, il est où? Je vais toutes les démancher toute la gang. On va se faire full de points moulins qu'à défaire ça. Là. Oh, nose. Copy no. Ah, oh, il y a DC, hein. De toute évidence. Oh oh. Oh non. Moi je suis Claudette, je suis la couleur de la paille. Je suis Claudette, la couleur de la paille. Et voilà. Un petit ami qui s'est fait accrocher. Là, il n'y avait pas trop de crochets dans ce coin-là, ben non. Ah, il est revenu le mot du crochet, merde. Déjà. Ah, je sais pas, ça en est sous moi. Ouais, on laisse ça. Mon cave. Et voilà. T'as perdu ton pouvoir. Vous sous-estimez mon pouvoir. Anakin? Oh, oh mais quel nul. Aïe de me trouver plate là. Ah shit, m'a vu. Merde. Honk! Manqué! Bon, bon, bon. Oh! Oh, le bastard! Oh, vite, vite, vite! Oh! Oh, ok! Oh shit! Ah, là, il m'a eu! Non, Milko Jason, c'est lui avec la chaîne ça puis le masque de hockey. Lui, c'est Mike Myers. Dans Halloween. Moi, tout, je pensais qu'il s'appelait Jason au début, mais non. Jason, c'est lui dans le jeu. Ben, tu sais, c'est vendredi 13. Hey, je vais avoir fait un shitload de points, tiens, pour y avoir pété la palette sur la tête comme genre 4 fois. Là. Lol. Non, mauvaise idée, tout! Maudit que mes chums sont colons. Tu décroches pas quelqu'un, Chris, quand que le tueur est direct à côté de main. Maudit souffle. Ben oui, bravo, Chris de folle, nion de merde. Hey, je vais te décrocher, le tueur est là, mais je vois pas le bas des blocs pour manger le coup à ta place. Non, tiens, vas-y, Mike Myers, stable-la, la Claudette. No stress, hein. Fait que là, t'es obligé de faire 10 games pour avoir mis Christy Dailies. Si elle me bat des blocs en plus, maudite nul. C'est ça que je donne. Ah, il a pris le bord de la Nia, parfait. Black et black that. Heal self, hein, on se soigne en anglais ce soir. Hein. On se soigne en anglais. On aime ça. On sauve les taxes.
On sauve une taxe, ça va dire. Bon. Ça va bien, hein, quand je passe mon temps à kiter le tueur à l'endroit de la map, à un moment donné. Ça finit par payer, hein? Ça donne le temps aux copains. Oh fuck. Ah, ça veut dire sur le cas d'un autre, là. Ouais, ces deux-là sont un peu fuckés à gasser parce que, tu sais. T'as Jason qui a le masque, puis lui il a un masque et tout. C'est juste qu'il y en a un qui a un masque de hockey, lui il a une tronçonneuse, l'autre un couteau. C'est sensiblement pareil. C'est facile de se mêler. Mais c'est bien ça. Écoute des films d'horreur. C'est bon. Ça contribue à ta culture. Bon. Techniquement parlant, faudrait que j'aille des copains, voilà, là. Sauf que ça fait déjà deux fois que je me fais outer, là. J'ai pas tant le goût d'aider mes copains, là. Bon, l'aider pareil, j'ai une délise, là, mais... Ça me tente pas. Mon petit ami. Non, je soignais, je suis full boosté pour ça. Arrête. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont tout le temps ça? Ah, oh, c'est Stepice. Ton story, mon Stepice de colique. Asti, elle, là, la Nia, là, c'est une vraie nulle, là. Quelle nouille de merde. Ah, il est là, c'est où ça? Elle m'a manqué. Je vais dire à la Mia, genre, you fucking suck, là. J'aurais dû la pointer. J'aurais dû la pointer avec mon doigt pour qu'elle la cherche à la place. Là, je suis dead. Hey, j'avais le skill en plus pour la soigner, elle. Vois que je me décroche. Hey, je cours comme une conne. Hey, je cours comme une conne. Hey. Oh, je le change. Ok, là, il s'en vient. Non, Claudette. Donc, reste là, Claudette. Hein. Body block. Hein. Reste là, Claudette. Ah, il y a fini, Claudette. Bon, je me sauve. La, 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 la. Elle peut pas être habillée en punk. Une espèce de marginal de merde. Nia, whatever son nom. Là. Bon, comment j'ai fait de points là-dedans? Hi. Audace, je peux bien avoir fait 8000. Christy, je l'ai kité à longueur de la map. Même pas fait un rank up pour avoir pété la palette tant que... Oh, fuck off. Fuck this game. Oh. Chier. Ouh. Bon, c'est quoi la délire? Libérer 3 survivants du crochet avec Claudette. Ah, oh, j'aurais dû rester dans la game pour envoyer Chenille. En tout cas. Fuck off. De sur mon nom, un autre qui stream, ça fait que je checkerai son nom dans le replay, puis je vais aller la. Je vais aller la troller, Jack. Why not, hein? Why the fuck not? Faites ça. Se rajoute-tu des charges? Des charges, bof. Bon, recharge, pas chaud. Attends, à un moment que je m'achèterai, rien que pour le fun, une trousse. Verte. Trousse mauve. Et voilà. Trousse mauve. Super trousse. Avec. Né.
on va dire, réduit les charges de 50, donne... Ça, c'est cool. On va pouvoir me healer instant. Ça de même. Là, je peux soigner mes chums comme un pro, là. Je suis comme Dr... Dr. Schultz, pour les pieds. On va dire. Dr. Schnoll. La boucane. Des flammes. Des flammes. La boucane. Des os. Où est l'intrus? Trouvez l'intrus. La boucane. Fleur, fleur, boucane, os. Trouvez l'intrus. Ah, c'est long. J'ai plus de patience. Je n'avais de patience quand j'étais jeune, mais là j'ai plus de patience. Bon, mon but c'est de décrocher mes copains. Donc... Est-ce que j'ai un drôle de feeling que je vais me faire jaguer dessus? Ah! Il doit être. Bon, ben, en tout cas... Oh non! Je suis sûr qu'on peut l'avoir malgré ruine. C'est beau. C'est super. Bon, on va aller chercher le petit totem. Hein. Totem, où es-tu? Il doit être là, se trouver, non? Quelle heure est là, non? On va essayer de trouver le totem malgré tout. Là. Ne nous décourageons. Hein? C'est ça. Ne nous décourageons. Oh, puis focus. So. Ah, yes. Hello. Fuck. Oh, va donc. Oh, elle a la hache, genre qui one shot. Oh, va donc faire enculer. Sérieux, man. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je pense que c'est un timer. Quand elle en accroche un, elle a un certain timer pour pouvoir justement one shotter quelqu'un. Est-ce que c'est nul? T'as pas eu le temps. Mais ça va soigner les choses. Rien que c'est une chenolle. Oh! Ah! Non. Oh shit. Oh merde. Nope.
Fuck. On va voir. Merde. Go, Claudette! Oh, elle a traversé l'autre bord, c'est pour ça qu'elle voulait faire, je pense. Pauvre Claudette. Ah, les autres, ça va, les copains, là? Ça chill, vous êtes correct? Hein, vous êtes en business, là? No stress? Ok. Oh, ben. Moi qui ai wasté ma trousse tantôt. Ah, mais elle m'a couru après pendant un papier de petit bout pareil là. Parce que ça en venait fâché à la fin, elle avait hâte de me pogner là. Elle avait bien honte qu'il se passe de quoi là. Oh Claudette, why? J'ai bien ça. Je me self-heal comme un king. Je me heal self, c'est-à-dire. Elle a sûrement le skill pour me voir en train de me soigner aussi, là, à travers les arbres, là, tu sais. Ça sent le sang plein nez, hein. Fait qu'elle sait, elle, là. C'est le genre de killer qui lâche pas facilement sa proie, sais-tu, là, se décourage pas trop, là. Un peu plus que je la smets tantôt, là, quand j'ai commencé à virer autour des choses, puis la musique a eu envie de s'estomper, là. Ça fait « Oh yes, je suis en train de l'avoir, moi, là! » Et non. Elle a vu un petit bougon de côte de cuir se promener dans le fond du bois, puis ça a été ça, hein. La la, it smells like blood. Mais quand même fier de ma poursuite, même si elle me fuck up, ben tout bad. Mon but c'est de décrocher le survivant. Je vais faire ma daily, mais je m'attends à faire des gems. I mean, come on! Bon. C'est la grande qualité. J'espère que tu viens pas chercher des haches. Non. Non. Oh. Mais on décroche, va-t'en ailleurs, là. Ah. Mieux, ça. Là, j'ai entendu charger son axe. Oh! Elle va venir pour me fuck up, c'est sûr. C'est clair. Il faut pas que je blow le genist. Go Claudette, you can do it. Oh, mon copain s'est fait quitter là-bas. Il est quand même relativement loin. Le jeu baissé va s'en venir dessus moi là. Qu'est-ce que tu survivais épais? Let's go, man. There you go. Ok, ça qu'on a de cancer à ça. Par là, par là. La. Où mon copain, là? Il est là-bas. Il est encore en train de le poursuivre, hein? Bon, j'ai une palette ici, si jamais tu peux. Ah, t'as envie d'ouvrir ça. Let's go. Ouvre-moi ça, man. Bon, fuck off. J'ai pas mon copain, il m'a fait déjà hooker deux shots, là. Salut! Le motherfucker. Copineau? Ouh, c'est fucké, l'écran bouge. Je pensais que c'est moi qui étais en train d'étourdir. Bon, ben, gars, check by. Temen, ou Temon, ou Temon, whatever. La 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 la. C'était une bonne game. Ah, eux autres non plus ont pas eu de scrupules, hein?
Ils sont sortis pis ils ont fuck it, man. Fuck off. Non, même pas level up. What the hell? Oh boy, je suis dernier d'un point en plus. Pour toutes les niaiseries que j'ai faites. Ah, je suis un petit peu surpris de ça. Eh ben. Un peu surpris. Attendez à mieux. Attendez à plus. Ah, j'ai plein de petits cadeaux à déborder en plus. Les cadeaux et les pétards, ça. Non. Tu vois que la dernière fois que j'ai joué ce bonhomme-là, c'est dans le temps de Noël. Équipement, pétard, lampe de poche. Lampe de poche, on nous a ôté, tiens. Grosse lampe de poche, grosse batterie. Ça ici. Ah ouais, mon homme. Bon, là, je vais vraiment les décrocher pour les couper, là. Je vais arrêter de niaiser, là. Il y a un gars qui m'avait déjà appris sur le stream que le truc avec la lampe de poche, c'est quand le tueur embarque comme le corps sur l'épaule. C'est vraiment quand que le corps il va s'asseoir sur le l'épaule du tueur que là t'allumes le tueur d'en face. Puis c'est instant release là. C'est comme ça l'aveugle instant là. On va bien voir. Ou peut-être bien sa motion quand justement il ramasse un corps, c'est comme trop long puis il peut pas rien faire d'autre. Fait que pendant ce temps-là, ben là tu l'éclaires là. On va essayer ça. On va l'essayer une fois. On va essayer de faire du release, là. Ouais, du blindness, là. On va essayer ça, ouais. Une blindness. T'étais là? Ah, c'est vrai, t'étais là, ben oui. Ben oui, je m'en souviens que t'étais là pendant que le gars expliquait ça. On va l'essayer, voir s'il avait raison. Il y a plein de palettes, ça. Oh! Ah, il y a plein de palettes, ça, curieusement. Eh ben. C'est cool, pareil. C'est vraiment comme décadence, là. C'est tellement nice là, je trouve tellement ça cool qu'il ait réussi à acheter des licences des films d'horreur de même. C'est trop sweet. Hé mon copain, si jamais tu te fais pogner, je vais t'éclairer. C'est quel tueur que c'est? Oh non, Leatherface. Shit. On va sauter en bas. Je sais pas si les deux faces peut se sacrer en bas, non. Ce mec qui court encore après, hein. Ah ouais, c'est sûr. Oh non. Peut-être pas finalement. Claudette, ce qui est cool, c'est que faudrait que j'achète la soute. La soute de Claudette en noir. Avec la peignure là, qui enlèverait des cheveux. Fait que de cette façon-là, genre, je pourrais comme me fondre dans le décor pas mal plus. Ok, parfait, Milko. Bon, il y a un Jen qui run là. Ah, elle l'a eu là. Ok. Ah, je suis trop loin. Au moins, essayer d'en compléter, hein. Pas le fun. Je vais aller la décrocher. Désespère pas. Je vais être décroché, mon ami. Bien, je vais avoir deux secondes. Oh, idiot. What an ass. Bon.
Oh non, décroche la porte. Oh, t'es con. Oh. Come on, man. Come on, dude. He's killed their face. Where is he? Oh, on va retourner faire le gen. On fait le tour de la place. Ah, fuck. Nice bâtisse. Oh, sacré un bout de jeu, ça. Salut! Ça va? Oh merde. Hein? Non, il y a de l'air. Il y a pas de l'air tout là, Leatherface. Moi, je pense qu'il a oublié de prendre ses pills. Il a de prendre ses pilules. Oh shit, il est là. Oh fuck. Non. Mais est-ce que je démarre deux? Il est où? Oh shit. Oh shit, 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 là il va m'avoir là. Ah ouais, il m'a eu. Oh man. Ouais, mais des hélices pour sauver mes copains, ça marche pas tant que ça, hein. J'ai une délice qu'il faut que je décroche mes amis trois fois. La date, ça donne pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. D'accord. Il est de retour, les amis. Les amis, c'est le ami. Le ami qui est dans son bain. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, il n'a pas eu ça, toi.
Il me faut pas. Hein. Oh, lady. Laisse-moi t'aider, mon ami. Hey! Oh, Dwight. Come on, dude. Arrête de runner. Comme un nul. C'est sûr qu'il va vouloir nous farmer. Hein. M'en viens. Moi, jamais vu. Oh, c'est stupide. So stupid. J'aurais dû le faire, le bloquer avec la crise de balette. Bon, au moins j'aurais fait un morceau de ma délice. Let's go, Dwight, you made it! You made it, Dwight! Oh merde. Dwight, tu joues avec le feu, man. Je suis mort. Et voilà, c'est beau, Dwight, bravo. Nice job, buddy. Tout ça pour se faire striker au final. C'est beau. C'est beau. Très beau. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller checker quelque chose, voir. Je suis curieux. Où à toi, d'accord? Ouais, ouais, qui m'ont CD, moi. Ouais. Bon. Ah ben écoute donc. Je me suis même pas servi de la lampe poche une christie de fouet. C'est super. Huh.
Parce que t'es nul, Dwight. Bon. Oh! Oh, vraiment merdeux, adrénaline, chose. Sauver. Oh, Noël. Oh, man. C'est tellement sad. Oh, c'est tellement sad. En tout cas. Whatever. Ah, ça doit être là. Il savait comment se sauver, par exemple. Il savait comment se sauver. Bon, qu'est-ce que. Enfin, une dernière, là. Après ça, on va jouer à d'autres choses. Let's find a game. Alright. Pétard, c'est bon. Ouais. Faut vraiment que... If... Oh. Wow, comment tu veux expliquer ça? Genre, don't run... don't run on unhook, là. Ça se dit comme pas non plus, là. C'est-à-dire, s'il run pas pendant... S'il se fait décrocher, c'est juste qu'il y en a qui se sauvent tout le temps. T'es décroche, puis ils partent à courir, mais genre, hey, je peux te soigner, genre, instant, là. Genre, à instant, genre comme 3 secondes, 3-4 secondes, pis t'es full life, là. Mais non, tu cours, là, le tueur arrive, hein, regardons ça, toi. Et là, il y a un cop 2 d'une shot. Moi qui essaie d'aider, l'autre qui se sauve. C'est le cochon. Nice. Peut-être pas l'être. Il va sauter, il n'aura plus le droit de sauter là. Il est bloqué. Ça se fera voir et voilà.
Bon, ben je l'ai décraché au moins. Elle peut nous one-shotter encore, là. Avec son skill de merde. Protéger, mec. Ça va bien aller. Décourage-toi pas. Et voilà. Ouais, elle dribble parce que... Elle a oublié de mettre le casque ou c'est quoi? Ah, super, un coffre brun. Nice stuff. On va continuer notre dailies. On va aller on hook du survivors. Attendez un peu, ben. Copain, un autre tour, mais je suis dommage chanceux. Suite, hein. Lui il est blessé. On va l'aider, on le voit à travers le mur. Vas-y, je suis pas altruiste là. Faire le gen là-bas. Lui, je peux pas faire grand chose pour lui, de toute façon, il est avec un autre survivor, fait que... On va aller finir ce gen-là. Ah zut, ça s'est fait pincer. Il s'est fait pincer, le Kobino! On trouve après ça, nice. Il est mort, mais pas mal encore. Oui. Ok. Oh shit, man. Oh, ça c'était du lag. Ilala. Bon, allez, mon chum, même si ça faisait pour moi la mort. Et voilà. Mon cas, mais lui il le casse en tout cas. On va essayer d'ouvrir la gate. Ok. Je savais que ça valait la peine de l'aider lui. Qu'elle se rende utile un jour. L'autre il se fait emmener au fond. Ses poches, mais non, pour lui. Hein. J'ai de la peine. Mon cœur saigne. Bon, ça c'est ouvert. Je sais pas si y a Noed par exemple. Si y a Noed, on est pretty fucked là. On est done. Je vois pas mon chum sur la map non plus.
Ok, un mec ouvre l'autre gate. Pas de problème, hein. On y va. Bon, l'autre il a réussi à se soigner. Allez, faut encore qu'il s'enlève son autre casque. Mine de rien. Non, je pense qu'elle a pas. Elle a pas. Il n'y a pas no head. Elle le laissera pas faire, je pense pas. Mais je vois pas moi. C'est ça, je le vois pas mon ami. Normalement, je serais supposé le voir, je le vois pas. Bon ben. Too bad. Ciao ciao. Non, Party Raider commence à se faire attaquer. Bon. Il aurait dû sacrer son quelqu'un. C'était le temps. Bon, yes. Alright. Oh, nice game. Faites quand même beaucoup de points avec ça, là. Là, on va level up. Après ça, on va changer de game. Because this is how I roll. So, on va dire glory. Voir cette adrénaline, c'est vraiment utile. Au bout de la run, là. Welcome back, Milko! On a des skills de merde. Oh non! Ouais, Decisive Strike, là, il vaut même plus la peine d'être pris. Il est trop rendu garbage. Simplement. C'est vraiment triste d'avoir ça. C'est vraiment nul. Ça, c'est tout qu'on a. 24 mètres. Votre ross est invisible pour le tueur dans un rayon maximal de 24 mètres. Par sacrifier ou tuer. Ça veut dire que quand je suis vraiment le seul survivant, là, ça vaut la peine. Mais à part ça, là. Ça, c'est bon. Wow. Coup décisif, c'est de valeur. J'aurais aimé ça l'utiliser dans le temps qui était bon. Mais à ce temps, c'est de la boîte. C'est la grosse marde. Donc, évasion urbaine. Oh non, mais je veux pas faire ça. Je veux pas jouer de même. En tout cas. Anyway. Je vais changer de game. Ça sera pas long.
Bon. On va continuer notre petite game de Witcher 3. Parce que je me connais. Si je continue pas, je vais. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefeuille. Je ne finirai jamais la game, fait que j'ai intérêt à continuer le tout proche, mais demeurait pourtant introuvable. Bon. La magicienne semblait pourtant introuvable. Ablette. Bon. Kate, j'aime ça faire des side quests, tout simplement. Climat incendie, utilisez vos sens sur là pour trouver des indices concernant l'incendiaire dans la forge. Je veux cette quête. Merci. Carte du monde. Oh, je suis proche. Ablette! Est-ce que ce jeu-là il est fluide pis il est beau, là? C'est vraiment hot pour une game de... J'aime bien le Airworks aussi. Qu'est-ce qui était mon petit garçon? Bon, faut que je cherche... Je cherche l'origine de l'incendie. Non, ça passe pas. Bon, ça c'est la forge. Oh! Qu'est-ce que... Non, ça c'est juste éteindre. Petite collette dedans, cuir usé. Là, faut que je trouve des indices, moi, là. Ablette, il a de l'air plus dans le right spot que moi, là, en ce moment. Il vous est arrivé quoi, la figure? Maman, ne peut pas parler aux étrangers. Petite merde. Faudrait bien que je commence à faire de la chimie un peu pour au moins comprendre les rudiments. Là. Oh! Ah ah! Trace de bottes. Un homme grand. Des traces de bottes. Viens, Ablette. D'accord, j'arrive tout de suite. Ça pue la pisse. Ça pue la pisse. Lol. Ça pue la pisse. Ça pue la pisse. Et la vodka. Une dernière fois. Ça pue la pisse. Ça pue la pisse. Et la vodka. Ok, ça on continue. Traçons ce pisseur. Ça sent de plus en plus la pisse. Et la vodka. C'est toi, paysanne, qui pue la pisse? Non? Ok. J'en ai ramassé quelques petites plantes. Ok. C'est quoi qui se passe? Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Ah ah. Wise guy. Il mérite qu'on arrête de le suivre. Il a brouillé des pistes. Qu'est-ce que je dois faire? Mes sens de sorceleur ne me permettent pas de voir les traces de pas dans l'eau. Where the fuck is he go? Ok. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les trois lunes. Lordien, écarte-toi. Écarte-toi, salaud. Non, eux autres, ils ont pas de l'air à... trop grouiller, hein. Le fait que je vole tout le stock, là. No stress. Allez parler au commandant. Commandant? Eh? Eh? Ouais. Ouais. Parce que... Louis? Tiens, oui, c'est le même qu'on sauve une raide d'échelle. Hors de mon chemin. Enrôlé, Nordien? Érigloire. Bon, ok. On peut pas juste être ici autour du pont, hein, des fois.
Je verrais pas pourquoi il se rend en dessous du pont. Là. Il a brouillé les pistes. Je ne peux pas le trouver. Qu'est-ce que je fais? On dirait que mon sens de sorceleur fait comme si j'avais pris de la grosse drogue forte. Tout devient stretché, c'est dégueulasse. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Bon, visiblement, il est allé par l'eau. On va suivre ses pistes, hein? On va aller vers là. Ok. Ah, ok. Bon, les pistes sont là. Quelque chose a jailli des fourrés. Des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. Intéressant. Oh. La piste retourne au village. Un saignement léger, blessure superficielle. C'est là que tu vas voir. Là, c'est quoi? Il faut. Ok, il y a encore des traces de pas. Oh, saignement, c'est encore. Sauf que c'était un noyeur qui avait boulotté le petit. Le sorceleur n'avait rien à voir. Je parie que c'est toi. Comment on réagit? C'est toi qui a mis le feu. C'est pas comme si tu pouvais lui recoudre la tête. Reviens ici, c'est toi qui a mis le feu. Je sais. Personne ne peut me déjouer. Vous y arrivez quoi, la figure? La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaid. Au quoi? What? Ah, poupée de magie noire, d'accord. Tout le monde a ça chez lui. Ah, il a intérêt de chercher les tomates, puis la salade, puis le pain, puis la poupée de magie noire, là. Oh! Griffure de noyeur, c'est sûrement lui. Ce salaud, je l'ai trouvé. Pourtant, j'étais sûr que c'était cet oie. Mais bon. Vilaine plaie, tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison. Écoute, on peut s'arranger d'homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Je pense que... Entendu, mais fini les incendies. Non, je pense pas. Hein. Les nains sont peut-être âpres au gain. Mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Oh, tu penses ça, toi? Calme-toi et viens avec moi, sale merde. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'excuse. Je dois... m'excuser. Non, ça va, paysanne? Ah! Elle lave ça au crachot, elle. C'est une méthode comme une autre. Je fais pareil. On voit que les méthodes de lavage n'ont pas changé hein, en 500 ans. Je reviendrai un jour te chercher, Wa. Je sais que tu es aussi coupable que lui. Je reviendrai. Parce que je suis Batman. Même Batman. Ok, on peut accélérer le pas, s'il vous plaît. Come on, man. Let's go. Le gars, il s'endort. Le gars a envie de faire un nap. He wants to take a nap. Yes, tapin dessus. Nap. Ok, on peut aller plus vite. Ah, c'est vrai, Witcher 3, hein. Tu me fais penser.
Je vais changer ça, ouais. J'ai de la misère avec ça, ce concept de changer ça. Ajoute les infos. Tiens. Ajouter un repère. Et comme ça, si jamais on veut skipper, on va pouvoir skipper. Le roi aurait payé un chasseur tout de suite pour régler le problème. Oh, je trouve. Qu'est-ce que qui t'a appris cette chanson? Le soleil. Il faut au moins que je l'escorte, non? Écoute-moi bien. Plus jamais tu rechauffes. Plus jamais. Il n'est plus question d'aller jouer avec Chetty. C'est mon meilleur copain. Chetty est fichu de tous nous faire pendre, oui. Si je te revois avec lui, tu le regretteras. Petite merde. Avance! Oh my god! Hors de ma vue, Nap, je suis pas de... Debout là-dedans! Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà! Un villageois pyromane. Nap, toi, des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Oh. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement. N'importe quel arbre fera l'affaire. Et voilà. Les villageois vont vous adorer après ça. Lol. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Eh, assez parlé. Votre prime. Eh, j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un. Ça veut dire que j'ai complété une quête, ça. Quand j'entends la petite madame se lamenter, non? Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? J'aimerais que vous me forgiez quelque chose. Non, forge-moi de quoi, dude? Créer des objets. Bois, ok. D'accord. Créer des objets. Démonter les objets, ok, ça va, pour les morceaux. Poudre zéricanienne permet de fabriquer des objets. Objets magiques. Je peux rien fabriquer finalement. Artisanat. Réparer. Retirer de l'admiration. Démonter. Commerce. Artisanat.
Ouais, bois durci, cuir durci. Il manque quoi, là? Cuir durci, c'est quoi, ça? De la cire. Je vais en acheter. Et voilà. Fabriquer l'objet. Yeah. Et voilà. C'était pas très compliqué. Cuir traité, armurier amateur, ingrédients requis, ficelle, lingot d'acier. Ok. Commerce. Je peux-tu m'acheter des potions? Armure légère. Armure. Commerce. Armure. Moins 14. Sel. Je vais l'équiper d'une selle, ça fatigue moins vite. Sacoche de sel. Poids maximum de l'inventaire. Les sacoches d'ablettes vous permettent de porter davantage de poids. Ok. Pretty interesting. Hey, 2%, là. Je suis même pas de level 2 encore. Ça va pas bien? Ça va pas bien pendant tout? Ok. Démonter les objets. Démonter les objets. Ok, il charge un prix pour démonter les objets. Ah ouais. Essence de monstre. Charbon. 100 de goule. Bon. Chair pourrie. Démonté. Yes. Fiole vert. Peau de serre. Et peau de chèvre. Poupée. Ok, ça a donné du fil et de la fibre. Vieille peau de mouton. Filet de pêche. Plaque d'acier, ok. Artisanat. Cuir traité, ficelle. Ok, on va juste fabriquer ça pour là. Commerce, artisanat. Démonter, réparer, artisanat. Ok, non. Commerce. Ah, potion. Un peu. Elle vient de des potions. Une huile. Fabriquer des objets. Bon. Pour là, ça va être ça. Au revoir. Adieu. Bon. Petite quête de compléter, ça. Quête. Quête secondaire. Disparu au combat, trouver d'une ville d'Enver. Où est Ablette? Ouh, Ablette. Changer les épées. Non. Épée en argent. Je viens de siffler pour mon cheval. Appeler cheval. Ok, deux fois. Ok. Maman qui se fatigue, le cheval.
cheval depuis tout à fait longtemps, hein, de se fatiguer, pareil. Les décors changent. Oh, j'aime ça, la lumière là, c'est vraiment nice. Qui a besoin d'une RTX après ça? Quand les jeux sont justement faits, genre que les Cold Rays sont programmés, tu sais. Je vais voir si je suis capable d'équiper des affaires. Inventaire. Armure. J'ai pas d'armure, à vrai dire. Plastron, gantelet. Bottes. Pantalon de chasse. Non. Alchimie. Vous ne pouvez pas faire ça maintenant. Ok. Qu'est-ce que je peux construire? Je peux rien faire, hein. Arrête de fouiner, Hussard. On ira chercher Bastien. Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, ouais. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime? Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ses foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Allez, U. Oh. Intéressant.
galop, Ablette. Il y a tant de cadavres, et la guerre ne fait que commencer. Là, au pas. C'était l'eau. Passez vite, Ablette. Oh, 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 oh. Oh, Ablette, wow. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier, surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Ok, c'est une zone parce qu'on n'est pas sûr d'où ce qu'elle est. Ça prend-tu l'épée en argent pour les ghouls? Chercher des objets en surbrillance. Hache émoussée. Alors, allez voir. Ok, lui il y a un gourdin. Bonne nuit, chouchou. Je vais aller te voir dans deux secondes. J'en viens tout de suite.
hein? Ok. Bon, qu'est-ce qu'il veut là? Ok, ouais, c'est vrai. Faut que je check à terre. Sans goule. Mais j'ai bien la bonne épée là. C'est bien l'épée en argent pour péter les goules. Là. Il y a sûrement plein de loups qui ont ramassé ces soldats, c'est vrai. Le chien pas l'air à triper lui. Ouais, les décors sont... j'aime ça à date, là. Hussard, on peut pas rétriper non plus, hein. Ah, chez Moussi, ça va sûrement être tous les matériaux. Je vais péter ça pour pouvoir avoir des... du métal, là. Lorsque vous trouvez des traces, avancez jusqu'à elle et puis sur pour les examiner. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Allez, Hussard, tu sens Bastien, le chien? Oh. On va tout ramasser les gars ici, là. Après, il y avait un écu ici. C'est lui? Non, ça lui ressemble pas du tout. Ah, le chien vient de me bumper, là. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Toujours rien. Non, lui, je l'ai vu déjà. Oh. Bastien, t'es où? T'es peut-être un mouton? Mon dieu, on met des âges à ça. Non, je n'ai jamais overweight, moi, là-dedans. Peau de cheval. Ah, je pile sur le cheval. Il pisse le sang, là. Il est super. Et... ben, je pile sur le cheval. Vous allez où comme ça? Vous tenez à ce que les boules me boulottent? Cessez de courir comme un chat échaudé. Aidez-moi! Oh. Le chien, il sent de quoi, là? Je sais pas, le chien, c'est un télépathe, là. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon qui est capable de faire des ondes, là. Je sais pas trop, là. C'est Jigglypuff. Paf. Ouais, il doit être plus loin. Ça, je sais pas pourquoi je suis capable de le voir en orange fluo, là, mais... Il y a plein de corps ici, là. Il y en a tout plein, là. Je vais ça des haches pis des épées, là. Oh, non, c'est du stock. Où est-ce qu'il met tout ça, ces épées-là? L'aide d'un soldat mort. Lire. Gustave, j'ai un grand service à te demander. Je suis récemment entré en possession d'un trésor assez considérable. Ne demande pas comment la modestie m'empêche de dévoiler les actes héroïques sur lesquels j'ai acquis ce fabuleux butin. Tellement fabuleux, en fait, que je suis bien infoutu de tout porter moi-même. J'ai donc tout enterré dans un coffre au pied de la falaise, à la verticale de deux cabanes en ruine. C'est là qu'on allait pêcher des écrevisses, tu te souviens? Voilà ce que tu dois faire. Prends une brouette et une pelle et viens discrètement sur la plage. Mais fais bien attention de ne pas être vu. Ensuite, on chargera le trésor sur la brouette et on revend à Wizima et on partagera le tout 50-50. À très bientôt. On parle à personne. Bon, on va dire qu'il y a un trésor quelque part sur le bord d'une falaise en deux cabanes destroyées. Hey, vous allez où comme ça? Mais quoi? Quelle mise à jour disponible? Cessez de courir comme un chat échaudé. Aidez-moi! Ta gueule! Hey, il est bien baveux, lui. Il y a rien qui a le strike. Ah, c'est ça, là. J'ai l'indice, là. La manette à shake, là. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Fais chier. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien? Ah ouais, il sent lui, Christy. Je me fie sur toi, man.
Sûrement que mec, on s'en approche, là, il va se mettre à capoter, là. Je comprends pas cette espèce d'onde là autour du chien là. Je la catch pas là. Il y a aucun corps que j'ai pas fait. Le reste c'est tout des plantes au loin. Il y a pas lui ici là, c'est le cheval là. C'est bien weird. C'est ça, que mec, il n'y a plus rien d'orange, je présume qu'on va finir par le trouver, Bastien, ça va. Attends un peu. Okay. Bon, il y a un bouclier à trouver. Bastien, il est là. Somewhere. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais est-ce que ça pourrait être lui? Bastien était costaud, large d'épaule. Celui-ci paraît plus fluet, mais c'est peut-être dû au feu. Ah, il n'y a pas de là trop. Ah oui. Il l'a trouvé! Hussard est sur une piste! Venez! Oh! Ok, c'est à ça que tu sors, le chien, là. Il vient de popper son skill de Pokémon, là. Ouais, tu as dormi tout le monde. Ok, Hussard est sur une piste. Oh! Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait, c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chier tous, c'est un ordre. » Tu te rends compte, l'abruti. Ah, arrête! Tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu, et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le prendront. Et s'ils découvrent qu'on cache, on sera tous pendus. Malise avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Votre frère a raison, c'est trop risqué. Sans lui, Bastien est mort. Bah écoute. Votre frère a raison, Bastien. Les Nilfgaardiens sont sans pitié. Ils ont leur loi à eux. Des lois cruelles au possible envers quiconque cache ou aide un déserteur. Rosine, je te porterai à manger. Et un herboriste. Tu verras, dans une semaine ou deux, tu... Vas-y. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Et voilà. Oh boy. Pas genre pling ou toum ou patatata. C'est genre hey 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 hey! Level up! J'ai fait une caisse. Elle se lamente un petit peu. Rosine, je dois vous parler. J'ai un cheval, il s'appelle Ablette. Et il parle aux hommes. Suivez-moi, je vais vous montrer. Bon. Vous avez un point de compétence. D'accord. Personnage.
Points de compétences. Compétences chaque fois que vous gagnez un niveau, en utilisant ces points, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences, améliorer celles que vous possédez déjà. D'accord. Personnage, groupe de compétences. La couleur d'une compétence indique à quelle catégorie elle appartient. Personnage compétences, utilisez left pour sélectionner une compétence et développez-la avec X. D'accord. Attaque rapide. L'une de vos compétences principales, toujours active. Puissante attaque. Défense. Adresse au tir. Fureur guerrière. C'est drôle, j'ai envie d'upgrader à Defense. Vous pouvez dévier les flèches en parent. Ouais, on va prendre ça, mais... Ok. Yeah. Ah, vos parades parfaites renvoient les flèches vers vos ennemis. Ok, faut-tu... Ok. Oh. Faut que tu débloques des espaces pour pouvoir justement avoir plusieurs compétences. Ok. Ça, c'est quoi ça? Mutagène de spectre de midi. Ingrédient alchimie plus 50 de vitalité. Placer un mutagène pour l'activer. Ah, ok. C'est comme un mutant, là. Ah, c'est cool. Ok. Ah, le mutagène de spectre de midi me donne 50 de life de plus. Vraiment cool. Ok. Bon. Oh, votre bled. Ouais. Un bled, j'ai besoin de toi. Je m'en viens de studier, laisse-moi le temps. Oh, yes, oui. Ça, c'est toutes les quêtes principales, ok. Groseille. Bon, ok. Interroger les Nivelles Gardiens au sujet de Yennefer. En avant. Les Nivelles Gardiens n'ont rien à faire. Donnez Yennefer, Yennefer, Yennefer. C'est bien, Ablette. Il est tout le temps en train de complimenter son cheval. Oh boy.
Cimetière de Blanchefleur. Le médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Oh. C'est Irden. Ok, non. Ah, oui. Il est level 7, ça en fait un peu. Donc j'avais appris l'autre fois, non? Il est parti, le spectre. Il y a deux corbeaux. Hein? Intensité du son d'ennemi augmentée. J'ai un point de compétence, juste pour ça. Personnage. Choisissez un mutagène, puis placez-le dans le placement indiqué. Ouais, je veux bien. Ok. Les mutagènes et les compétences ont une couleur propre. Si vous placez un mutagène près d'un groupe de compétences dont au moins une est de la même couleur que lui, il procurera un bonus supérieur. Une compétence n'a pas la même couleur que le mutagène dans son groupe, elle n'augmente pas le bonus conféré par le mutagène. Les autres compétences du groupe dont la couleur correspond à celle du mutagène augmentent néanmoins le bonus. Le bonus conféré par le mutagène augmente avec le nombre de compétences de la couleur que lui. Ok. Comprends. Augmente 75% le seuil de surdose. L'âme empoisonnée. Main ferme, niveau suivant aussi. Attends. Ok, faire des bombes. Mutation. Instinct de survie augmente à 500 points de vitalité. Quinte, oui. Ok. Ok. Ça me prend le sort d'ennemi, justement. Non? Les ennemis? Bizarre. Bizarre. Ok. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre au juste?
Ah. Faut que je le mette dans la crypte. Ah, oh, gauntlet chess. Cool. Inventaire. Armure. Ouais. 8% de chance au lieu de dégâts critiques. Plein de skills tantôt, là. Ben plein de métaux, c'est à dire. C'est bien, Ablette. Ah, les loups sont un peu misères. Je peux-tu me créer des potions? Ah, ça va manquer mon bout des ingrédients. Liqueur de cerise.
Ah, c'est un beau... c'est un beau trésor, c'est ça? Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation expresse du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynlev est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Et quoi? J'ai entendu parler de la brigade Riette. Elle était composée de ceux de ton espèce. Les noms. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent une fois toutes les trois lunes. Nous allons devoir réquisitionner une partie. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les Témériens, ont déjà prélevé leur tribu, et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Très perspicace. Bien vu. Geralt de Rive, sorceleur. Un Valkyr. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Vengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois Vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du nerprin? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider.
J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Domira et Mislav. Merci. Esunyaktel. Serid Serinkin.